Bien, on roule l'exercice 3. Donc, l'exercice 3, calculer les intégrales sur les fonctions après avoir montré qu'elles sont convergentes. Bien. E égale l'intégrale moins l'infini plus l'infini de x sur cosinus hyperbolique de x. G égale l'intégrale 0 plus l'infini de x sur le racine exponentielle x plus 1. Bien. Donc, dans ma première intégrale, donc, sinus hyperbolique. Cosinus hyperbolique de x égale l'exponentielle x plus l'exponentielle moins x, les tout sur 2. Bien, donc remplacer et égale l'intégrale moins l'infini plus l'infini de x sur l'exponentielle x plus l'exponentielle moins x sur 2 égale intégrale moins l'infini plus l'infini 2 sur o. خرجوا ذو حد سكالير خرجوا من الانتقال دو دي دو اكس سيغ الاكسبونسيال اكس بليس الاكسبونسيال مو اكس بيان دونك نمونترو كو الانتقال اي كونفيرج قال لك كالكيلي ابخي يعني قبل ما تبين انهم كونفيرج بيان دونك خصني نديرو كونفيرج عاد باش نكالكول الانتقال دونك غنستعملو غلاسي دو شارل دونك سوا 0 à part si 1 moins l'infini plus l'infini, c'est 0 là c'est le char. Donc, moins 3 que l'intégrale 0 plus l'infini, yak, on a même une charge 2, donc 2. شي مشكل خليت الاخر نديرو ياك 0 بليس لانفيني دي دو اكس سيغ ليكسبونسيال اكس بليس ليكسبونسيال موان اكس اي كونفيرجون بيان نديرو لي ريغل دو ريمان دونك عندنا بليس لانفيني دونك بروبليم اون بليس لانفيني اون زيرو مكاينش هذا المشكل دونك بروبليم اون بليس لانفيني ياك بروبليم en plus la ligne. Ok. Donc, c'est le règle de Riemann. Donc, elle dit donc 1 sur l'exponentielle x plus l'exponentielle moins x rendra x puissance 2 maintenant. Alors, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Égal à quoi? Égal à limite x au carré sur l'exponentielle x plus l'exponentielle moins x égale à quoi? Donc, est-ce que tu connais un polynôme à l'exponentielle? Quand il faut l'exponentielle tend vers quoi? Donc, l'exponentielle tend vers plus au 0. Donc, quand il faut l'exponentielle, donc, l'exponentielle très rapide plus l'infini. Ok? Donc, on va retourner l'exponentielle polynôme qui connaît le haluk. Yani, qui connaît fait l'exponentielle. Ok? Donc l'exponentielle est très rapide plus l'infini, mais le polynôme ou ln est là. Donc il y a un qui est le ln ou l'exponentielle qui est le polynôme. Le polynôme, bien. Donc, nous allons voir. Donc, maintenant, polynôme, donc polynôme, je trouve qu'il y a un. Donc l'exponentielle x tend vers plus infini, l'exponentielle moins x tend vers 0, donc 1 sur plus infini égale à 0. Donc la limite égale à 0, donc d'après la règle de Riemann, d'après les règles de Riemann, l'intégrale 0 plus l'infini. Pi de x sur exponentielle x plus exponentielle moins x est convergent. Converge. Donc, calculer la valeur, donc en posant t égale à l'exponentielle x implique d de t égale à l'exponentielle x d de x implique quoi? D de x
égal à dit le tilde sur expansion excite. Bien. Donc, si x tend vers plus l'infini, l'expansion x tend vers plus l'infini implique t tend vers plus l'infini aussi. Si x égale à 0 implique l'expansion 0 égale à 1, donc t égale à quoi? Égale à 1. Bien. Donc, on remplace l'intégrale 0 plus l'infini d de x sur exponentielle x plus l'exponentielle moins x égale l'intégrale 1 plus l'infini d de x, non, 1 sur t plus t puissance moins 1 fois d de t sur t égale à quoi? Égale à 1 plus l'infini 1 sur t au carré plus 1 sur t fois t de t sur t. T simplifie t fois t. Et prenons. Une taffe. Donc, primitive de l'allée égale à la tangente. Donc, égale, nous allons dire la tangente de plus l'infini égale à pi sur 2 moins la tangente de 1 égale à pi sur 4. Égale à quoi? Égale à pi sur 4. Donc l'intégrale égale à pi sur 4. Donc allez, non. Moins l'infini, 0. Donc, moins l'infini, 0. Donc, moins l'infini, 0, c'est maintenant. Moins l'infini. Donc, moins l'infini, 0. Problème en moins l'infini. Donc, la limite de ça quand x tend vers moins l'infini égale à quoi? Égale à aussi égale à 0. Donc, d'après les règles du Riemann, l'intégrale. Donc, ça. Donc, 0 moins l'infini. Et converge. Donc, pour un change de variable, donc, si t tend vers moins l'infini, alors, x, non, si x tend vers moins l'infini, t tend vers quoi? Tend vers 0. Si x égale à 0, implique t égale à quoi? Égale à 1. Donc, on a la première, on a pi sur 4. On va le pi sur 4. Pi sur 4, donc tu vois. Okay. Donc, l'intégrale 0 moins l'infini d de x sur l'exponentielle x plus l'exponentielle moins x égale à quoi? Égale 0, 1, moins l'infini, 0, 1 sur t plus t moins 1 fois d de t sur t égale à quoi? Égale à 1, 0, 1 sur 1 plus t au carré d de t. Primitive de l'arc tangente, donc l'arc tangente de 0 égale à 0, moins l'arc tangente de 1 égale à quoi? Égale à moins pi sur 4. Donc ça converge, donc, relation de Charles, donc on dit que l'intégrale est alors et quand convergente et égale à quoi? Égale à pi sur 4 moins pi sur 4 égale à 0.
Ok, deuxième intégrale, g égale à l'intégrale 0 plus infinité de x sur la racine de x pensée x plus 1. Ok, problème. Problème quoi? Problème il est où? En plus l'infini. 0, mais il y a ce problème. Il y a ce problème. Bien, les règles de Riemann, limite. X au carré fois 1 sur le racine exponentielle x plus 1 égale à quoi? La limite ça égale à quoi quand x tend vers plus l'infini égale à quoi? Égale à 0. C'est-à-dire non, l'exponentielle que je relève pour les noms. Donc l'exponentielle x tend vers plus l'infini 1 sur plus l'infini égale à 0. Donc 0. Donc d'après les règles de Riemann, l'intégrale 0 plus l'infini plus de x sur racine x fois sur x plus 1 et convergente calculons la valeur de l'intégrale g, calculons g. Donc, l'intégrale 0 plus infini. Donc, interroge change de variable. Posons t égale le racine de l'exponentielle x. Je dis, mais si on a le racine. Donc, dire change de variable. Donc, on va dire le racine quand même de change de variable. L'exponentielle x plus 1. Implique, dit le t égale à l'exponentielle x sur 2 racine l'exponentielle x plus 1 d x. Ok, l'exponentielle x moins 5, c'est l'exponentielle x égale à t au carré moins 1. Très bien. Si x tend vers plus l'infini implique x tend vers plus l'infini, donc t tend vers aussi plus l'infini. Exponentielle plus l'infini égale plus l'infini. Si x égale à quoi? Égale à 0 implique t égale à racine de 2. Maintenant, l'exponentielle x. Donc, l'exponentielle 0, 1 plus 1, le racine de 2. Très bien. Donc, g égale 0, racine de 2. L'exponentielle plus l'infini égale à plus l'infini. D de x. Donc, d de t égale à quoi? Exponentielle x. Donc, l'exponentielle x, ça quitte ça. Il y a t au carré. Moins 1, donc 1, non, 2, sauf qu'on a donné deux fois, donc 2 sur t au carré moins 1, bien, fois d de t. Ok, donc l'intégrale racine de 2 plus l'infini, donc fraction rationnelle, il est en haut, il est moins simple, il est 2 sur t moins 1 fois t plus 1 d de t, ok, égal donc 2 racine de 2 plus l'infini, donc a sur t moins plus p sur t plus 1 égal à quoi? A fois t plus a plus p moins plus p fois t moins p. Du tout sur t moins 1 fois t plus 1. Donc, égale a plus p fois t. Ok? Plus a moins p. Tout sur t moins 1 fois t plus 1. Ok? Donc, a plus b égale à 0. A plus b 0. Alors, je vais mettre t. A plus b égale à quoi? Égale à 0. A moins b égale à quoi? Égale à 1. Je vais mettre ma palette ma connaissance. Donc, il y en a 1, 2. A moins b égale à quoi? Égale à 1. Implique a égale à moins b. Donc,
Donc A, 12 ans, égale à quoi? Égale à 1. Donc implique A égale 1 demi, B égale moins 1 demi. Donc ça égale A sur T moins 1, donc 1 demi, non? Yac, plus moins 1 demi sur T plus 1. Plus 1, du tout, du tout. Égal à quoi? Égal à 2, rapide à 2, donc je prends la racine de 2 plus l'infini, ok? De 1 sur T moins 1, et de T moins l'intégrale, donc 2 rapide à 2, catalytique, je prends 1 sur T plus 1, et de T. Primitive de la D égale à ln de la valeur absolue de T moins 1, donc plus l'infini, racine de 2, ok? Non, on dit qu'on a un problème, on a un binôme et un converge. Donc, on a un diverge. Non, on a un binôme. Donc, bien. On a un binôme. Moi, ln, de la valeur absolue de t plus 1. Ok? La racine de 2, plus l'infini. Racine de 2, plus l'infini. Donc, on fasse c'est, non? C'est le propre. Donc. Donc là, maintenant, il est donc limite ln de t. Là, maintenant, c'est près de l'infini, donc ln de t moins 1 sur t plus 1, valeur absolue, du tout, racine de 2. Okay. Donc il y a limite comme x tend vers plus infini, mais ln le valeur absolue de x moins 1 sur x plus 1 moins un donc moins ln racine de 2 moins 1 sur racine de 2 plus 1. Donc la limite ça égale à quoi? Égale à donc on a x sur x, donc plus infini, donc égale à 1, ln de 1 égale à 0, donc 0, donc moins ln le racine de 2 moins 1 sur racine de 2 plus 1. Très. Donc, tu me laisses qu'on nous fait un peu de qui veut se calculer l'intégrale, qui veut se bien faire une converse, qui me dit qu'on fait ce qu'il veut montrer qu'on converse ou diverse, qui compte facile, c'est. Mais parce qu'on calcule l'intégrale, il y a une recette qu'on a de ce mais les méthodes, les calculs primitifs, mais ça arrive, tu sais. C'est le valeur de l'intégrale générale ici.